Hey, bienvenue dans ce vlogtobre. L'idée tout le long du mois d'octobre de faire une petite session de vlog, un peu journalier, même si je pense que le rythme ne sera pas forcément hyper régulier. Mais voilà, j'avais envie d'essayer de vous proposer ça pour la première fois sur la chaîne. Mais l'idée, voilà, c'est de chiller ensemble, de vous occuper, de m'occuper aussi, et puis voilà. Là, je vous parle en voix off, mais je vous parlerai en live durant quelques moments de cette vidéo. Et puis, je vous ferai un petit update de ma vie. Vous verrez qu'il y a des petits changements à venir. Voilà, en attendant, let's chill together. Après cette petite session de montage vidéo, je cherche quoi me faire à manger pour le repas de midi. Toujours une mission compliquée, surtout quand on n'a plus rien dans le frigo. Je me suis habillée pour aller en course. Vraiment, ça va être l'effort du jour. Quand je reviendrai, je prendrai la caméra pour vous parler un petit peu. Mission accomplie pour les courses. Déballer devant vous pour que vous ayez une distraction visuelle. Et en même temps, je vais blablater, voilà. Clairement, on n'est pas sur un contenu hyper intéressant, mais hey, c'est les vlogtobres, d'accord. Si vous êtes là pour voir des gens qui ont des vies passionnantes et 20 000 choses à vous montrer, c'est pas la bonne chaîne. Je vais avoir pas mal de changements professionnels en ce moment. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez sûrement que je suis libraire. Et je viens de quitter la librairie dans laquelle j'étais depuis plus d'un an. Donc je suis contente, pour diverses raisons. Même s'il y avait des trucs dans cette librairie que j'aimais bien, et notamment le quartier et tout ça. Mais, dans l'idée, je vais reprendre le travail en librairie au mois de décembre. Pour un nouveau truc, une nouvelle aventure. Mais d'ici là, j'ai 2 mois où je fais rien. Enfin presque. Puisque j'ai 2 jours de tournage la semaine prochaine, en effet, je vais faire de la figuration dans une série américaine. Je vous en reparlerai vite fait quand le moment sera là. Et sinon, je cherche aussi pour faire d'autres petits castings durant les 2 mois à venir. Et j'irai dans un Monoprix ou un Super U, quelque chose comme ça. Voilà, demander s'ils ont besoin de caissière pendant au moins 2 mois. Le but avant tout, c'est que je me repose, que je prenne un peu de temps pour moi. Et que je repars sur les bons chapeaux de roue pour décembre. Ce chocolat, vraiment, cette marque. Incroyable, incroyable. En fait, c'est tout ce que j'avais à vous dire, globalement. Donc je vais juste déballer mes courses maintenant. Voilà, j'ai craqué pour des loups chinoises, parce que, pourquoi pas, de temps en temps. Des carottes. Je vais essayer... Ah, j'ai oublié d'acheter du lait. Parce que j'ai acheté ça, là, du muesli. J'en ai jamais mangé. Enfin, si, peut-être une fois. Et j'avais envie de redonner sa chance pour varier mes petits déj. Mais j'ai oublié le lait. C'est pas grave, on ira en chercher plus tard. Ma drogue number 2, les crisps rolls. Je pourrais passer ma vie à manger ça. Le pain de mie, le pain de mie. Le jus d'orange. Il n'y a plus que celui-là que j'arrive à boire. Toutes les autres marques, je les trouve trop sucrées. Ce qui est un peu ironique quand on sait que ça appartient à Coca-Cola innocent, mais que voulez-vous? Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, le vlogtobre, vous n'allez pas avoir un contenu extraordinaire, mais vous aurez des petites updates de ma life de tous les jours, voilà. Je ne sais pas si je ferai des vidéos genre vraiment tous les jours pour le vlogtobre. Ce sera plus selon mon temps dispo. Si vraiment je passe une journée à juste rien faire, peut-être que je filmerai sur 2 jours ou 3, que vous n'ayez pas un contenu de 3 minutes de moi en train de jouer ou de lire, quoi. Je sais pas, on verra. Ma passion pour les pommes noisettes. En tout cas, c'est sûr que mes 2 jours de tournage, j'aurai pas le temps de filmer, enfin de filmer, de monter en tout cas, parce que ça va être vraiment journée complète. Je crois que c'est 6h30-20h et 10h30-21h, je sais plus, mais... Ah ! Donc, j'aurai pas le temps de faire du montage, je pense, entre au moins ces 2 journées. Et comme je vous l'ai dit, on verra le vlog, combien de temps, combien de vlogs, et puis voilà, ma passion depuis mon enfance. Les cordons bleus. Sachez d'ailleurs que je collectionne les magnettes. Je sais pas si je vous les ai déjà montrées en vlog, les fameuses magnettes département, mais regardez. C'est pas beau? J'en ai quand même pas mal, hein, on est bien. Donc, comme je vous ai montré sur le post d'avant, un crisp rolls, un carré de chocolat et je rajoute un mini brownie. Voilà. On va se faire une petite session Disney Dreamlight Valley aussi, tout en continuant le montage vidéo que j'ai commencé tout à l'heure.
comme le nom l'indique, je vais vous faire un petit tour de mes bibliothèques, vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, puisque j'ai récemment réaménagé le tout. Ouh, finalement, mon montage m'a pris plus de temps que je le pensais, donc j'ai pas eu le temps de jouer. Je pense que je vais m'y mettre juste après. Là, je vais me préparer à manger d'abord pour ce soir, puisqu'il est déjà presque 20h, et puis, à ma foi, je vais chiller un peu devant YouTube, et puis on va geeker, voilà. Peut-être regarder un Blu-ray aussi, je sais pas encore, faut que je profite de mon nouveau lecteur. Premièrement, on va se changer malgré ce temps pourri. J'adore cette chemise que j'ai créée. Je vais vous montrer tous mes vêtements personnalisés, franchement. Ce gilet La Reine des Neiges, je pense que c'est ma pièce maîtresse pour l'instant. Genre, je sais pas, il est simple, mais il est trop beau. Enfin, moi, j'en suis amoureuse, perso. Je le veux dans la vraie vie. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait un t-shirt Stitch. C'était mon premier essai, assez normal. Ensuite, j'ai fait ce t-shirt Vaiana, pareil, simple. Niveau jersey, j'ai fait un pull un peu dans l'esprit de Vanellope des mondes de Ralph. Et j'ai fait aussi ce jersey Ratatouille. J'essaie de vous zoomer un peu, mais non, ça veut pas zoomer. Ah si, ça y est. Pour les sacs, j'ai fait celui-là, La Reine des Neiges. Pareil, simple. Mais efficace. J'ai fait ce sac Ratatouille un peu plus funky. Et j'ai fait ces oreilles réponses aussi, que j'aime bien. J'ai fait un pull aussi, un pull Elsa pour aller avec le gilet Anna. Et j'ai fait un haut Ratatouille que j'aime beaucoup. Pareil, j'ai mis une petite poche et j'ai mis Rémi dedans. Et enfin, j'ai fait une robe un peu inspirée de La Reine des Neiges, mais sans que ce soit vraiment La Reine des Neiges non plus. Je vais mettre mon pull. Je vais mettre le pull Rémi, tiens. Par contre, je veux pas de sac et je vais mettre un pantalon vu le temps qu'il fait. Je vais garder mon chapeau pour me protéger de la pluie. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de trouver une aigle marine pour Ursula et il faut que je pêche les calamars aussi. On va d'abord aller chercher des aigles marines. Enfin, une aigle marine. J'ai pas l'impression que c'est une aigle marine, mais on va quand même se servir. Quel temps moche, c'est terrible. Même dans un jeu, c'est déprimant. Est-ce que j'ai toujours mon bug sur la quête de Wally? Ouais, ça me fait chier. Normalement, je devrais avoir 11 pièces de bricolage, mais ça m'en compte que 3. Je veux pleurer. Ouais, trop bien. Bon, bah bleu, ça suffit. Je vais pas jouer très longtemps ce soir. J'ai pas une grande envie. Et puis demain, faut que je me lève surtout. Demain, je vais chez l'ORL le matin. L'après-midi, j'ai un test Covid pour mon tournage. Et je dois aller voir mon ancien patron pour récupérer mes documents aussi. Et j'attends des nouvelles du tournage pour savoir comment on y va, parce que j'ai eu l'angoisse de prendre ma voiture, donc je l'ai pas prise. Sachant qu'ils ont dit qu'ils nous recontacteraient pour les transports, je me suis dit qu'il y avait peut-être avoir des trucs mis en place. Parce qu'en soi, c'est loin, mais je peux y aller en transport en commun. Sauf que comme il faut y être à 6h30 du matin le premier jour, je suis pas sûre d'avoir des transports. On va aller tenter la terre oubliée pour trouver du calamar. Je vais en profiter pour acheter mes citrouilles et faire mes petites plantations avant de quitter le jeu. Ça va, Mickey? Tu viens me juger? Ah, il y a eu un bug, wesh, à la fin, là, m'arnaquez pas. Voilà. Ah yes, j'en ai un, ça y est.
C'est pas un calamar, mais j'en voulais un beau droit pour faire une recette. Qu'est-ce que tu m'offres, petit coffre? Merci. Salut Christophe. Ah, j'ai encore eu un bug de... Mes amis les trolls, t'adorent. Oh non, mais j'en veux pas de ton hareng, moi. Yes! Cool, on va aller faire la potion pour madame. Et voilà. Tu es là! Il était temps! Encore une fleur. D'accord, allons poser cette fleur, madame. Ah, mais c'est vrai, c'est dans le meuble. Oh, j'en ai marre de moi. Ah, mais non, je peux pas là. On la voit pas. Ah bon, si ça te fait plaisir, hein, après tout, voilà. Ça a fait plaisir à Ursula. Oui. Je vais aller planter mes graines, ça ira bien. Bah tiens, je vais augmenter le niveau avec lui. Bien. Non, j'ai rien pour toi. Bon, sur ce, je pense que je vais vous laisser là, parce que je vais juste faire ça et quitter le jeu. Donc le vlogtobre du jour va s'arrêter maintenant. J'espère que ça vous a plu, et puis écoutez, hein, que vous n'êtes pas trop ennuyés, je vous dis peut-être à demain ou à après-demain pour le prochain vlogtobre. Voilà, gros bisous, bonne soirée!